aux chers Africains. Nous avons été tous choqués en voyant les images de nos frères qui sont victimes d'esclavage en Libye. Et nous pensons que toute la jeunesse africaine doit réagir. Nous pensons que la société civile doit prendre le devant. Et je pense qu'il est important que la jeunesse africaine se mobilise pour dire non à ce qui se passe en Libye. Ce n'est pas possible. Inacceptable de voir aujourd'hui, en 2017, nos frères dans la même situation que nos frères pendant l'esclavage. Je demande à toute la jeunesse de se mobiliser pour dire non à ce qui se passe aujourd'hui en Libye. Nous avons plus de force que nos dirigeants. Je pense que s'il y a une mobilisation massive dans tous les pays africains, il y aura une réaction automatique. Alors je fais cette vidéo pour interpeller toute la jeunesse africaine, leur dire que nous ne pouvons pas rester calmes, sur nos silencieux face à cette situation. Nous sommes insultés en Libye. Nos frères sont humiliés. Donc nous sommes humiliés. Going back home now. Before we left, we all have a dream. Isn't it? Yes. Ces bateaux pleins à craquer ne parviennent plus à traverser la Méditerranée. Depuis peu, les actions des gardes-côtes libyens ont drastiquement réduit le trafic vers l'Europe. Les passeurs se retrouvent donc avec une énorme quantité de personnes qui ne leur rapportent plus rien. Ils réduisent alors les migrants en marchandises, juste bonnes à être vendues aux plus offrants des esclavagistes. Je pense qu'il est important que toute la jeunesse africaine réagisse par rapport à cette situation. Nous avons voulu faire un sitting devant l'ambassade de la Libye au Mali. Mais comme il y a l'état d'urgence au Mali, les autorités nous ont répondu que ce n'était pas possible. Et nous respectons la loi malienne. Mais cela ne nous empêche pas de réagir autrement. Nous avons décidé, en lieu et place du sitting devant l'ambassade de la Libye, de faire une conférence de presse avec plusieurs associations, sinon plusieurs mouvements de la société civile malienne pour montrer notre mécontentement, pour montrer que nous avons été tous choqués par ce que nous avons vu. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas rester calmes, nous ne pouvons pas accepter ça en 2017. Hier, nous avons dit non à l'esclavage. Aujourd'hui, nous disons non à l'esclavage. Et l'esclavage, partout dans le monde, ce n'est pas seulement les Africains. Et je pense que la jeunesse africaine doit réagir. Rastafari, Chicken Jaffakuri. La jeunesse vit dans le désespoir, bla bla bla, comme esclave, bla bla, y a trop de...